Ça, c'est une nouvelle page, hein. Donc je ne pense pas. Peut-être les gens vont la voir. Je ne sais pas, mais bon, connectez-vous. Je voulais faire la vidéo sur ma page. Bon, c'est pas grave. Après, je vais voir. Est-ce que je vais pas faire ça normalement et après partager ça sur la page? Mais on va voir. Bonsoir, bonsoir à tous. Abonnez-vous sur la page. Ça, c'est une nouvelle page en fait. Bon, peut-être vous la connaissez, je sais pas. Mais c'est une nouvelle page que j'ai créée. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous sur la page. Excusez-moi. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la situation biblique. Parce que beaucoup d'Africains et beaucoup d'Africaines pensent que la Bible détient la vérité. Et moi, complet, je suis là pour démentir cela. Pour comprendre les vraies incohérences de la Bible, je vais vous plonger dans l'histoire des scientifiques. Et aujourd'hui, nous allons prendre le scientifique en compte qui est Galiléo Galiléen. En fait, c'est un grand scientifique qui a fait son temps, voilà, qui a démontré que. Je vais passer vite. Ok, bonsoir, bonsoir. Je vous montre cette vidéo et vous allez écouter. Eucharistie comme tout bon catholique. Vous avez parlé, je crois, de particules minimales dans l'un de vos ouvrages. Ce sont bien les atomes d'Anaxagore et de Démocrite. Je n'ai jamais parlé d'atomes, jamais. Et sciemment. Une fois de plus, vous cachez votre croyance derrière des manipulations de mots. Vous êtes un dissimulateur, assez doué, j'en conviens. Et vous êtes aussi un hérétique. Vous choisissez de vivre dans l'erreur. Un hérétique? Oui. Vous avez fait de la science une religion. Comment cela? Que représente la science pour vous? La science, c'est le meilleur chemin pour se rapprocher de Dieu. La voilà! La voilà. La preuve que nous cherchons, car le seul chemin pour nous rapprocher de Dieu passe par l'Église. Seule l'Église connaît et enseigne les voies qui mènent au Seigneur. En affirmant le contraire, vous vous déclarez hérétique. Vous placez la science sur le même pied que l'Église. Vous faites de la science. La science, en un mot, est le meilleur chemin de se rapprocher de Dieu et non l'Église. Et non l'Église. Lui qui parlait, il était un chrétien, il était un croyant. Galiléo Galilée. C'est un Italien, un grand physicien. C'est celui-là même qui a révolutionné l'astronomie. C'est lui qui a fait la révolution de la physique, de la science, en un mot.
Il était vrai chrétien, il était même au Vatican. Mais d'autres, quand on parle, on dit montrer dans l'histoire de l'humanité un chrétien qui ne faisait pas partie des scientifiques, qui a créé quelque chose, qui a révolutionné quelque chose, qui a donné quelque chose à l'être humain, à l'humanité. Non, ils ne pourront pas citer. Galiléo Galilée était un grand chrétien. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a renversé l'humanité? Parce que avant, dans les universités, on enseignait à la terre tout entière que la terre était plate. Et que l'homme, Dieu a tant aimé l'homme, et que l'homme est la ressemblance de Dieu, alors Dieu a placé l'homme au centre de tout. Donc, en un mot, chez les croyants, la terre est au centre de tout. Galiléo Galilée, qui est lui-même chrétien, qui avait cru en ces bêtises. Alors, un jour, il se reposa des questions. Suite à la mort de Copernic, parce qu'il y avait deux philosophes au sein de l'Église catholique. Il y avait Aristote et Copernic. Aristote, selon ses idées qu'il avait avancées, il disait que le soleil bougeait et que le soleil tournait autour de la terre. Le soleil se lève et se couche. Voilà ce que Aristote avait argumenté. Et l'Église catholique avait pris ses arguments pour mettre ça là-dedans, pour dire oui, exactement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'homme est la ressemblance de Dieu sur la terre. Et si l'homme est placé sur la terre, c'est que la terre est le centre de toute chose qui puisse exister. Mais non, Galiléo Galilée, il dit non, pas question. Il met cela en cause, les idées et les arguments d'Aristote. Et Galiléo Galilée dit que le soleil ne bouge pas. Le soleil est immobile. Que c'est la terre qui gravite autour du soleil. Et non le contraire. Ils lui ont demandé de faire une démonstration. Il a pris une boule qui représentait la terre et autre boule, une bougie, qu'il a fait premièrement tourner autour de la boule que lui, il appelait la terre. On voyait que au fur et à mesure qu'il tournait la bougie qui représentait le soleil, chaque partie de la boule était éclairée et ça arrivait à faire le tour de la boule. Là, ça rejoignait l'idée de Aristote. Et il a montré autre version où il a tenu la bougie fixe avec la lumière là-dessus. Et la boule qui, il disait que c'était la terre, la boule qui représentait la terre, il tournait la boule sur elle-même. Et en même temps qu'il tournait la boule sur elle-même, ceux qui étaient là, les juges qui étaient là, ils observaient que chaque partie de la boule était éclairée aussi par la lumière de la bougie. Alors, il dit donc, si c'est sur ça que Aristote se base pour dire le soleil se lève et se couche, il a menti. Et ses arguments ne tiennent pas. Pourquoi il dit ses arguments ne tiennent pas? Parce que il a dit les satellites, il y avait d'autres satellites comme Jupiter, comme Mars et tout ça, qui certains satellites partaient dans des centres, dans des sens contraires. Donc ça peut justifier automatiquement que le soleil est immobile. Et la terre tourne. Et donc, pour cela, M. Galiléo Galilée affirme haut et fort que le soleil est le centre de gravité de toutes choses et que Dieu est lumière. Et c'est à travers cette lumière que Dieu éclaire la terre et qu'il arrive à éclairer les autres planètes. Donc, c'est l'harmonie du monde. Pour ça, on dit qu'il allait à la contre de l'Église. Alors, Galiléo Galilée, il affirme encore une autre fois où Aristote disait que quand il tient deux choses en main, quand il les laisse au même moment, la plus lourde tombe le plus tôt possible que la plus faible. Galiléo Galilée a démenti cela
Et il a affirmé le contraire pour dire cette hypothèse de Aristote ne tient pas. Là encore, c'est une erreur. Et il a démontré ça devant eux en prenant un bout de papier qu'il a fait, il a rendu en boule. Et il a pris un fer où il a mis du sable qui était plus lourd que le bout de papier. Il a soulevé ses deux bras. Quand il a laissé tomber les deux choses au même moment, alors les deux choses ont atteint la terre à la même minute, à la même seconde. Les juges lui ont demandé « Quelle sorcellerie tu as utilisée ?» Il dit « Non, il n'y a pas de sorcellerie. » C'est pour cela que je vous ai dit que ce que l'Église dit, c'est du mensonge. Et qu'il faut revoir la science. Il faut revoir la science. Ils lui ont demandé pourquoi. Et il a parlé de deux forces. La force de gravité et la force d'opposition. Et quand les deux forces se croisent, ça rend la force de l'élément qui pèse plus que l'autre neutre. Et donc, les deux forces deviennent neutres. Donc, il n'y a pas de possibilité que l'autre tombe le plus tôt possible avant que l'autre ne tombe. Mais par contre, quand tu as une feuille simplement qui n'est pas en boule et que tu as un objet lourd, quand tu les laisses tomber au même moment, alors l'objet lourd peut tomber le plus tôt possible et la feuille peut encore être là. Elle est lente avant de tomber. Pourquoi? Parce que l'air exerce une pression sur la feuille. Voilà comment il a démontré. On dit, mais pourquoi cela? Pourquoi tu pars contre l'Église? Car l'Église, dans toutes les écoles, dans toutes les universités, ils ont déjà commencé à enseigner que la terre est plate et que la terre est au centre de tout et que l'homme est au centre de tout. Et c'est autour de l'homme que toutes les autres choses gravitent. Pourquoi lui part contre l'Église? Et aller contre l'Église, il part contre Dieu. On lui a dit, il dit non. Que la science est le meilleur chemin de se rapprocher de Dieu et non l'Église. Pour cela, ça lui a coûté la vie chère. Et je vais encore vous montrer. Il dit la science est le meilleur chemin pour se rapprocher de l'Église. Attendez, je vais mettre un truc. Excusez-moi. La science est le meilleur chemin de se rapprocher de Dieu et non tricot, la Bible. Galilée, croyez-vous aux atomes? Pourquoi me posez-vous cette question? Ne cherchez pas à savoir pourquoi nous vous posons telle ou telle question. Contentez-vous de nous répondre. Croyez-vous aux atomes? Je crois que la matière est divisée en petites unités. En très petites unités. Pourquoi croyez-vous ça? Parce que lorsque l'on verse du vin dans de l'eau, la petite couche rouge sur le haut du verre se dilue petit à petit et finit par fabriquer un liquide rose. Le vin et l'eau se sont divisés avant de se mélanger. Mettez-vous en cause le principe de la transsubstantiation lors de l'Eucharistie? Nullement, éminence. Vous croyez véritablement que le pain de l'hostie devient le corps du Christ? Qu'il y a transmission de substance? Oui, je le crois, bien sûr. Pourtant, vous parlez d'atomes, comme l'hérétique Bruno. Or, le corps du Christ ne peut pas se résoudre en atomes, sinon la transsubstantiation, c'est impossible. Éminence, j'ai pu parler de division de la matière, mais jamais je n'ai prononcé le mot atome. Je crois au miracle de l'Eucharistie comme tout bon catholique. Vous avez parlé, je crois, de... Diamant et amant. Bonsoir, ça c'est un nouveau truc intéressant. Je ne sais pas si les gens vont voir, après je vais voir. Une fois de plus, vous cachez votre croyance derrière des manipulations de mots. Vous êtes un dissimulateur, assez doué, j'en conviens. Et vous êtes aussi un hérétique. Vous choisissez de vivre dans l'erreur. Un hérétique? Oui. Vous avez fait de la science une religion. Comment cela? Que représente la science pour vous? La science, c'est le meilleur chemin pour se rapprocher de Dieu. La voilà! La voilà. La preuve que nous cherchons, car le seul chemin pour nous rapprocher de Dieu passe par l'Église. Seule l'Église connaît et enseigne les voies qui mènent au Seigneur. Vous voyez, donc, entre science et l'Église, où se trouve réellement le vrai chemin par lequel on peut passer pour atteindre Dieu? Voilà la vraie question. Parce que les philosophes d'avant et les religieux d'avant, il y a eu des débats sur ça. Ceux-mêmes qui étaient religieux, avant de faire quoi que ce soit, ils se sont projetés dans les sciences. Galiléo Galilée
était l'un des grands scientifiques qui a fait révolutionner les sciences, sinon que la science. C'est lui qui a dit, depuis l'histoire a commencé, que la Terre était ronde. Que la Terre est ronde. Aristote avait affirmé que la Terre était plate, mais aujourd'hui, Rome, et même Jean-Paul II, a reconnu que l'Église catholique avait eu tort envers Galilée. Pour cela, ils avaient brûlé Copernic vivant. Ils l'ont brûlé vif au sein de l'Église catholique située au Vatican à Rome. Ils l'ont brûlé parce que ce dernier avait dit que la Terre n'était pas plate et que la Terre était ronde. Et que tout gravitait autour du soleil. Pour cela, ils ont dit, il commet des hérésies. Donc, ils l'ont brûlé et qu'ils partaient contre l'Église catholique. Et que Dieu ne peut pas mentir. Mais eux, ils ont dit non. S'ils font cette découverte, ça ne vient pas d'eux. C'est Dieu qui les inspire. Que sans Dieu, ils ne pourront pas. Que sans Dieu, ils ne pouvaient pas comprendre comment le monde fonctionne, comment l'univers fonctionne, comment la nature fonctionne. C'est Dieu qui opère en eux. Ils ont dit non. Le seul chemin pour que Dieu puisse opérer, c'est l'Église. Ils ont dit non. Lui, il a dit non. La science est le véritable chemin pour pouvoir contacter Dieu. Et vous allez voir plus tard. Vous allez voir plus tard. Je vais faire avancer la vidéo. Je pense que c'est entre 58. Voilà, il y a même ça sur 57. Voilà. Les objets lourds sont plus difficiles à déplacer. Je n'ai jamais essayé de déplacer un éléphant, mais il doit falloir pousser fort. Bien sûr, plus ils sont lourds, moins ils bougent. Mais d'un autre côté, nous avons ce que j'appellerais la force de gravité. Force mystérieuse qui attire tous les objets à la surface de la Terre vers les profondeurs terrestres. C'est pour ça que les objets... Il va démontrer tout ce que l'Église croyait. Il démontre et il met ça en doute. La force d'inertie est là qui les freine, les retient. Écoutez. Et plus ils sont lourds, plus elle les retient. Alors d'après vous, un éléphant et une figue, par exemple, tomberaient à la même vitesse. Mais oui. La force d'attraction de la Terre s'exerce plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Mais dans le même temps, la force d'inertie s'exerce également plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Alors, est-ce que, selon vous, un homme de Dieu peut démontrer ce genre de choses? Mais si quelqu'un il arrive, c'est-à-dire ils ne sont pas cultivés comme les gens d'aujourd'hui, hein. Il n'y avait même pas encore la technologie qui avait avancé comme ça. Mais lui là, c'était au temps ancien, c'est-à-dire dans les années 1600, s'il vous plaît. On n'était pas en 2000. C'était dans les années 1600 et c'était en 1622, s'il vous plaît, que Galileo Galilée a affirmé ces choses. Mais vous pensez qu'un être humain qui n'était pas doté d'une intelligence vraiment surnaturelle et que Dieu ne passait pas par lui, il allait découvrir tout ça? Mais c'est de ça que nous profitons aujourd'hui. Quand vous étudiez les maths, mais c'est grâce à cela. Et qui les a révélés cela? Mais c'est Dieu. C'est Dieu, quel chrétien, quel truc, pasteur, quel pape qui a révélé cela. Mais pour ça, ils l'ont tué. Ils ont tué ce mec. Ce monsieur, ils l'ont tué parce qu'ils ont dit que c'est les hérésies. Écoutez. Les deux forces s'annulent. Mais oui, les deux forces s'annulent. Et la vitesse d'un corps quand il tombe ne dépend pas de sa masse. Votre raisonnement. Excusez-moi. C'est difficile à suivre. Plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de 1000 fois. Vous voulez que je recommence? Non, ce n'est pas la peine. Attendez, je vais mettre. Il va démontrer l'expérience. Depuis 2000 ans, personne n'avait contredit Aristote sur ce point. Je me trouvais. Écoutez. Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps. Ils vont arriver au sol ensemble. L'Église disait auparavant que la matière la plus lourde allait tomber plus vite que celle qui est la moins lourde. Mais c'est le contraire. Je reprends les deux mêmes objets.
Regardez bien. Mais quelle diablerie utilisez-vous? Je n'utilise aucune diablerie. Faites l'expérience vous-même. Écoutez, vous allez comprendre. S'il vous plaît, c'est très important pour moi. Faites un effort, éminence, je vous en prie. Prenez ce papier dans une main. Et cet objet lourd dans l'autre. Levez-vous, éminence, s'il vous plaît. Levez les bras plus haut. Et lâchez les objets en même temps. Je comprends pas. Aristote, pourtant, avait fait lui-même cette expérience. Il disait... Le gland tombe plus vite que la feuille de chêne. Exactement. Comment expliquez-vous cette contre... Donc, vous voyez, c'est-à-dire l'Église même s'est battue. Ils ont bâti l'Église sur les idées de certains philosophes, des scientifiques. Parce que ceux-là, c'était eux qui dirigeaient l'Église catholique. C'est grâce aux différentes déclarations de certains philosophes qu'ils ont bâti l'Église catholique. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est Dieu qui a révélé quelque chose à ces voyous pasteurs qui crient sur tous les toits, qui crient n'importe où, qui pensent que c'est Dieu qui a écrit la Bible, je vous dis jamais. Dieu n'a jamais révélé quoi que ce soit à un chrétien pour pouvoir écrire la Bible. La Bible a été écrite sous les inspirations de certains scientifiques qui n'étaient même pas doués dans la science, qui agissaient par leur propre pensée, qui ont écrit la Bible. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu a utilisé d'autres penseurs et d'autres scientifiques pour démentir les premiers scientifiques qui avaient donné l'idéologie et les idées pour pouvoir écrire la Bible. Donc Dieu envoya d'autres idéologues pour pouvoir contredire les premiers cas à Dieu. Il ne laisse pas des gens dans le mensonge. Quand tu mens pendant longtemps, il utilise un autre pour pouvoir te contredire. Voilà, c'est dans ce cas qu'il avait utilisé les Copernic, les Galiléo Galilée. Mais pour cela, l'être humain a tué ces gens-là parce que chez eux, c'était des hérésies. Chez eux, ils blasphémaient. Chez eux, ils partaient contre la volonté de Dieu. Il fallait les éliminer. Copernic a été brûlé vif au sein de l'Église appelée Vatican parce qu'il a revendiqué des idées que Dieu lui a données. Dieu lui a révélé que tout ce que la Bible dit, c'est faux. Et qu'il fallait revoir l'histoire du monde. Et que voici. Même avant la mort de Pythagore, avant la mort de Samos, de Milet, avant même la mort de certains grands philosophes, ils avaient déjà pensé, c'est-à-dire avant qu'ils ne meurent, ils avaient avancé cette idée pour dire cette histoire de Bible. Il y a assez de contradictions et que Dieu leur montrait certaines choses. Mais bon, leurs idées, ils ont fourré ça dans les tiroirs. Il fallait Galiléo, pour révolutionner les idéologies de la vraie réalité du monde, qui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité a contredit l'Église catholique en disant que la Terre n'est pas au centre de tout. Et que le soleil est au centre de tout. Quiconque prie, vous ne criez pas Dieu est lumière. Mais si vous reconnaissez que Dieu est lumière, comment voulez-vous que la lumière ne soit pas au centre de tout? Et vous voulez que c'est l'obscurité, là où il y a l'obscurité, c'est là qui doit être au centre du monde. Mais sur la terre, il y a l'obscurité et il y a la lumière. Or, le soleil ne connaît jamais l'obscurité. Le soleil brille. Chaque jour, oh Dieu, il est toujours éveillé. Dieu ne dort jamais. Donc Dieu, sa confiance, il a mis ça dans le soleil. Et il permet au soleil d'agir et avoir une influence sur les autres planètes. Car l'homme a péché. Pourquoi les chrétiens, pourquoi les croyants, ces voyous, puissent de nos jours dire encore que la terre est au centre de tout, sachant bien que sur la terre, nous connaissons la nuit et le jour, mais avec le soleil, la planète soleil, parce que le soleil lui-même est une planète. Il n'y a jamais de nuit, il n'y a jamais de jour. Le feu ne s'éteint jamais et Dieu, il ne s'éteint jamais. Le feu est éternel, le soleil aussi ne mourra jamais.
Mais par contre, toi, l'être humain, tu peux mourir. La terre peut être détruite. Ah oui, la terre se détruit. Donc, la terre ne peut pas être au centre de tout. Oh, le soleil ne se détruit jamais. Il fallait ces philosophes. Et je vais vous mettre une partie où il affirme certaines choses qui me tient vraiment à cœur. Écoutons un peu. Moi aussi, les observations d'Aristote m'ont longtemps troublé. J'ai réfléchi longtemps, car j'étais persuadé que si j'expliquais cette contradiction qui existe entre ses observations et les miennes, je découvrirais une loi fondamentale de la physique, si Dieu le voulait. Depuis 2000 ans, personne n'avait contredit Aristote sur ce point. Je me trouvais intimidé, comme devant une montagne. Et puis un matin, j'ai eu tout à coup une illumination. Je m'écriais « Eureka !» Oui, comme Archimède. J'ai trouvé, Aristote avait oublié une donnée essentielle, la résistance de l'air. La feuille de chêne est plate et légère. Lorsqu'elle tombe, l'air agit sur elle pour l'empêcher de tomber. Tout comme l'air agité, qu'on appelle le vent, entraîne la feuille à volter. Le gland, lui, au contraire, est compact. L'air n'a pas de prise sur lui, ou très peu. Sa chute est libre. Alors le poids n'a aucune influence sur la chute ? Aucune. Et pourquoi cela ? Cette question a occupé mon esprit pendant 3 ans. Voici ce que je crois avoir compris. Le fait que le poids n'ait aucune influence sur la chute est le résultat de 2 principes, de 2 forces qui s'opposent. D'un côté, la force d'inertie, qui fait qu'un objet au repos tente à y rester, et que plus il est lourd, moins il bouge facilement. Ça, tout le monde le sait. Pas la peine d'y réfléchir pendant 3 ans. Les objets lourds sont plus difficiles à déplacer. Je n'ai jamais essayé de déplacer un éléphant, mais il doit falloir pousser fort. Bien sûr, plus ils sont lourds, moins ils bougent. Mais d'un autre côté, nous avons ce que j'appellerais la force de gravité. Force mystérieuse qui attire tous les objets à la surface de la Terre vers les profondeurs terrestres. C'est pour ça que les objets tombent. Et plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Mais la force d'inertie est là qui les freine, les retient. Et plus ils sont lourds, plus elle les retient. Alors d'après vous, un éléphant et une figue, par exemple, tomberaient à la même vitesse. Mais oui, la force d'attraction de la Terre s'exerce plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Mais dans le même temps, la force d'inertie s'exerce également plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Alors les 2 forces s'annulent. Mais oui, les 2 forces s'annulent, et la vitesse d'un corps quand il tombe ne dépend pas de sa masse. Votre raisonnement est difficile à suivre. Plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de 1000 fois. Vous voulez que je recommence? Non, ce n'est pas la peine. Je n'aurais jamais découvert ce phénomène sans l'aide de Dieu. Il nous a donné le goût de la vérité. Et en même temps, il nous la cache. Il a fondé les lois de la nature en utilisant le langage secret qu'on appelle les mathématiques, mais c'est à nous de découvrir ces lois et de déchiffrer ce langage. C'est la recherche scientifique qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expier le péché originel. Nous, les savants, nous sommes les hommes de Dieu, choisis par lui. Mon ambition est de mieux comprendre l'univers pour me rapprocher davantage de lui. Alors je suis le chemin qu'il m'a tracé. Car sans lui, je ne pourrais rien. Vous comprenez, c'est ce que les Blancs ont compris. Quand je dis ça, d'autres disent non, tu te perds, tu deviens fou. C'est ce que moi comprends, j'ai compris depuis longtemps. Vous comprenez, c'est un grand philosophe. Lui-là, il ne date pas de maintenant. Et sa philosophie même est utilisée par les pasteurs qui crient à longueur de gueule. Ils utilisent la philosophie de ce monsieur. Quand ils partent à l'école, quand on dit école pastorale, mais ils étudient tout ça. Philosophie de trucs Galiléo Galilée, sur l'univers, ils utilisent ça. Mais pourquoi ils ne prennent pas toutes ces déclarations en compte? Et ils rejettent certaines déclarations parce que ça va contre la Bible. Voilà Galiléo Galilée qui dit: Dieu a choisi les scientifiques pour se rapprocher de lui.
Ce sont les scientifiques que Dieu utilise et non ces pasteurs corbeaux qui crient. Dieu n'utilise jamais un pasteur corbeau. Dieu utilise les scientifiques pour réaliser et comprendre le monde, l'univers. Pensez-vous que pour comprendre l'univers, c'est facile? Pensez-vous que c'est facile? Non. Pensez-vous que déchiffrer les règles de la nature, c'est facile? Non. Mais c'est Dieu qui a donné la connaissance à l'être humain. Et c'est Dieu qui éclaire cette même connaissance pour pouvoir permettre à l'être humain d'y parvenir. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas déchiffrer certaines choses. Alors, qui nous permet de déchiffrer et qui défriche dans ce monde les lois de la nature? Mais ce sont les scientifiques. C'est ceux-là qui font toutes les découvertes de l'univers, de la terre. Ce n'est pas les hommes de Dieu. D'autres me diront, Galiléo Galilée était un chrétien. Mais il n'a pas utilisé son côté chrétien pour percer l'univers des sciences. Il a utilisé son côté scientifique. Pour cela, ils l'ont tué. Pour cela, ils l'ont tué. Et ils ont tué plusieurs personnes au sein de l'Église catholique. Parce que c'est l'Église catholique qui a baptisé la Bible, qui a fait cette histoire de Bible. Les jésuites et, je ne sais pas, les romains, c'est ensemble qu'ils ont créé cette histoire de Bible. Avec les trucs, la prison de Constantin Ier et tout ça. C'est eux qui ont créé la Bible. Avec qui? Avec certains philosophes. Certains scientifiques, appelés les Aristote et tout. Ce sont leurs idées qu'ils ont prises. Mais non, il y avait des scientifiques qui n'étaient pas des brillants scientifiques. Il fallait des vrais scientifiques à qui Dieu a révélé la réalité du monde, la réalité de l'univers, pour pouvoir s'opposer contre les menteurs, philosophes et scientifiques. Pour cela, comme l'Église catholique avait peur que l'Église catholique chute partout dans le monde, ils ont voulu étouffer les idées de Galiléo Galilée et de Copernic. Ils ont mis ça, ils ont brûlé même leurs recherches scientifiques et leurs découvertes scientifiques. Ils ont brûlé. Et ils ont brûlé Copernic. Ils ont mis Galiléo Galilée en prison à vie, à perpétuité. Il est mort dans la prison. Il est mort dans la prison au Vatican. Vous comprenez que l'Église nous a caché beaucoup de choses. Avec les sciences, on peut avancer. Raison pour laquelle les Européens ont compris que le vrai chemin pour pouvoir atteindre Dieu, ce sont les sciences et non les églises. Ils ont imprimé des milliers de Bibles pour donner ça aux Africains, pour dire voilà la vraie voie pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et eux, ils choisissent la voie des sciences, car ils savent bel et bien que là où se trouvent les sciences, se trouve Dieu. Là où se trouvent les sciences, se trouve Dieu. Et non là où se trouve l'église. La souffrance de l'homme noir et la souffrance des Africains, ils n'ont pas compris quel chemin. Il y a toujours deux chemins. On dit qu'il y a le mauvais chemin et le bon chemin. Où se trouve le bon chemin et le mauvais chemin? Est-ce que les noirs ont choisi le mauvais chemin? Raison pour laquelle ils souffrent. Je dis oui, les noirs ont choisi le mauvais chemin. Parce que dans la tête du noir, ils pensent toujours que l'Église est le véritable chemin pour pouvoir voir Dieu. Et c'est ça que je demande. Je demande que l'Église n'est pas le véritable chemin et l'Église n'est pas la véritable voie pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Il y a une seule voie pour pouvoir se rapprocher de Dieu, ce sont les sciences. Quiconque utilise la voie scientifique se rapproche de Dieu et fera toutes les découvertes de ce monde. Car Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu permet à qui le suit et qui le considère de lui donner la connaissance, l'expérience et les découvertes. Car l'homme a été choisi pour être un co-créateur. Alors quand vous voyez dans ce monde, qui est le co-créateur? Ce sont les scientifiques. Partout, ce sont les scientifiques qui créent. Mais Dieu ne t'a-t-il pas donné le pouvoir d'être un co-créateur? Dieu a créé. Il dit l'être humain sera le co-créateur. Est-ce que les pasteurs créent? Ils ne créent pas. Est-ce que les papes créent? Ils ne créent pas. Voilà des choses, des petits trucs, choses qui pouvaient faire réfléchir l'être humain noir. Ça pouvait essayer de vous... Non, ça devrait éveiller vos consciences. Et vous questionnez sur beaucoup de choses.
Ce même qui était les grands religieux qui croyaient en Dieu, qui partait toujours au sein du Vatican, cela, pour comprendre l'existence de Dieu, il fallait qu'ils suivent les chemins scientifiques. Pour cela, on les a tués. L'être humain n'aime pas la vérité. L'être humain aime toujours le mensonge. L'être humain aime toujours le mensonge. Aujourd'hui, nous sommes cultivés. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui est descendu du ciel? Est-ce que ce sont les Bibles qui nous ont permis d'être cultivés? Mais je pense que c'est l'école pour être cultivé et connaître la réalité du monde. On dit quoi? Il faut scolariser ton quoi? Ton enfant. Allez-y à l'école. Car l'école est le chemin pour apprendre. Et qui a créé l'école? Ce sont encore les scientifiques. Les moyens d'éducation dans la société, ce sont les scientifiques qui ont mis ça en place pour pouvoir éduquer les gens. Tous les calculs qui sont dans les différents livres et que l'être humain applique sur n'importe quel bout de papier dans les cahiers ont été inventés par les scientifiques. Dieu les a donné l'intelligence. Ce sont les scientifiques, mes frères. Les blancs ont compris cela. Et il fallait ça. L'être humain noir ne veut pas comprendre. Là où il y a la vérité, le noir fuit pour aller là où il y a le mensonge. L'église, c'est du mensonge. La Bible, c'est du mensonge. Les papes sont du mensonge. Le Vatican, c'est le mensonge. Ce sont des criminels, ce sont des arnaqueurs, ce sont des pilleurs, ce sont des corbeaux, ce sont des chats-huards qui crient. Ils sont des grands griots de l'humanité entière. Il ne faut pas avancer la terre, il ne faut pas avancer le monde, il ne faut que parler. Le monde ne peut pas rester dans un monde où on ne travaille pas. Dieu même a regardé dans vos Bibles. Dieu même a dit, toi l'homme, tu souffriras à la sueur de ton front avant de gagner quoi que ce soit. Toi la femme, avant de mettre un enfant au monde, c'est dans la douleur. Est-ce que cela n'existe pas? Pourquoi vous attendez, vous les négros et les négres, pourquoi vous attendez toujours pour que Dieu fasse des miracles, pour que la nourriture quitte au ciel, pour que les maisons poussent? Vous pensez que les maisons sortent de la terre sans aucun effort? Vous pensez qu'on gagne la nourriture sans travailler? Il faut travailler, le blanc compris. Et en travaillant, Dieu, il fait la volonté de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu a dit au début. Toi l'homme, tu souffriras à la sueur de ton front. Toi la femme, tu affronteras dans la douleur. L'homme étant travailleur, il se rapproche de Dieu. Parce que ce sont les consignes de Dieu. Les scientifiques ont compris cela. Les blancs ont détecté cela. Tous les blancs, vous verrez. Dans les grandes nations, ceux qu'on appelle, ou bien celles qu'on appelle les grandes puissances, se sont orientés dans la technologie. La technologie, c'est ça, ils maîtrisent aujourd'hui et puis ils contrôlent le monde. Mais Dieu aime les travailleurs. Dieu aime ceux qui sont intelligents. Dieu n'aime pas les beaux parleurs. Tu parles, mais tu ne fais rien. Quand on parle de l'émergence, on ne peut pas parler d'émergence et écarter les scientifiques, les grands penseurs, les savants, les architectes, les ingénieurs, les scientifiques. Mais tout ça, on ne peut pas parler d'un pays émergent sans parler de tout cela. C'est eux. Quand ils sont dans ton pays sera un pays émergent. Mais s'ils ne sont pas là, tu es foutu. Si tu as des passeurs seulement dans ton pays, mais tu vas crever de faim. Imaginons que la Corée du Nord n'a pas de scientifiques, n'a pas de grands penseurs. Oh, mais imaginons que l'humanité entière, les autres grandes puissances mettent pression sur lui. Mettre embargo sur son pays, ils vont manger comment? Qui va réfléchir à leur place? Qui va travailler? Qui va réfléchir pour donner des directives pour pouvoir travailler et manger? Mais le peuple va crever de faim. Imaginons que les pressions qui sont sur eux, ils refusent de penser, ils refusent de réfléchir et ils passent leur temps dans les églises à crier pensant que Dieu va faire des miracles pour que la nourriture quitte au ciel. Ils vont crever de faim, ils vont tous mourir et ils diront quoi? Non, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Non,
Il faut des scientifiques, mais c'est parce qu'il y a des penseurs, des grands penseurs, raison pour laquelle ils s'en sortent. Malgré les embargos de l'humanité entière, malgré les embargos de l'ONU, ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont des scientifiques chez eux, sur leur territoire. C'est ça le plus important. L'Africain, c'est ça qui lui manque. Et il pense qu'avec les églises, il va réussir à aller au ciel. Non, il faut la technologie. Les sciences nous permettent de se rapprocher de Dieu. Sans science, il n'y aura pas de religion. Parce que la Bible même a été écrite grâce à certains scientifiques. Dites merci aux Égyptiens anciens qui étaient des grands scientifiques. Dites-leur merci. Parce que sans les Égyptiens que vous accusez dans la Bible, ils n'allaient pas avoir d'écriture. Et sans écriture, la Bible n'existera pas. Parce qu'il fallait l'écriture pour qu'on puisse parler de la Bible. Il fallait les écritures pour que les gens puissent écrire et construire la Bible. Sans les scientifiques, ils n'allaient même pas avoir de papier. Parce que pour obtenir le papier, il faut travailler le bois de la forêt. Il faut couper l'arbre. Et pour couper l'arbre, il faut inventer encore la technologie. Avec la technologie, l'invention du fer, il faut fabriquer des machines ou bien des haches pour couper l'arbre. Il faut fabriquer des machines pour pouvoir transformer l'arbre en bout de papier. Est-ce que les pasteurs peuvent transformer l'arbre en bout de papier? Et un être humain qui réfléchit cela et qui met toutes ces stratégies en place, est-ce que c'est un être humain? Mais c'est Dieu qui passe par lui. Vous devez comprendre ce phénomène. Un être humain ne peut pas rester là. Et en même temps, une idée vient dans sa tête pour dire avec un arbre, on peut fabriquer papier. Non, si ce n'est pas la volonté de Dieu, nul ne peut. Personne ne peut. Même quand vous êtes là souvent, d'autres se demandent comment le bois on transforme ça en papier. D'autres se demandent, papier génique. Les gens ont eu des idées. Comment ils ont fait? Mais vous vous posez ce genre de questions. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas. Est-ce que les pasteurs se posent ce genre de questions? Non, parce que Dieu n'est pas avec eux. Ce sont des fainéants, des voyous, des corbeaux. Ceux qui rendent la société fainéante, ceux qui conduisent la société sur le chemin du diable et dans le monde des ténèbres. Ce sont les pasteurs. Tous ces gens qui se déclarent, qui s'autoproclament, qui s'autoproclament les chrétiens. Et les musulmans, ils sont à la base du mal sur la terre. Parce qu'ils ont pris le mauvais chemin. Ils ont pris le mauvais chemin. Ils n'apportent rien au monde. Est-ce que tu peux rester là et puis savoir que le faire avec les matériels de la terre, tu peux penser qu'on peut appeler ça le fer et avec ça, on peut fondre. Ça, il faut une grande intelligence. Il faudrait que... Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas. Comment au fond de l'eau, tu peux savoir que ça, on appelle ça le pétrole. Tu vois la mer. Comment tu peux détecter que non, au fond de la mer, il y a le pétrole? Si Dieu ne t'a pas révélé quelque chose, si Dieu ne t'a pas donné la vision, et comment faire pour extraire ce pétrole? Si Dieu ne t'a pas révélé ça, mon frère, tu ne peux pas. Le pasteur ne pourra jamais ça. L'imam ne pourra jamais cela. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Et c'est ça l'erreur des hommes de Dieu. C'est ça, beaucoup de fidèles, on ne comprennent pas. Ils pensent qu'avec la religion, on peut bâtir un monde. Non. Vous enviez l'Occident, vous enviez les Américains. Vous pensez qu'ils ont bâti leur monde à cause des religions? Ils ont bâti leur monde à cause des sciences. Parce que les sciences sont les vrais chemins pour se rapprocher de Dieu. Dieu utilise les scientifiques pour bâtir le monde et rendre le monde beau. Voilà. Car l'être humain a tout pouvoir et connaissance. Et en même temps, l'être humain est un co-créateur. L'être humain n'est pas venu sur la terre pour bavarder. Laissez dans des lieux, crier, sans rien faire. On dit, sois co-créateur, ils ne t'ont pas demandé de rester. Il faut devenir co-bavard. Il faut créer, on t'a pas dit de bavarder. Et tous ceux qui bavardent, ce sont, c'est le diable qui aime trop faire du bruit. C'est le diable qui fait le bruit. Dieu, il ne fait pas assez de bruit. Et tous ceux qui font le bruit, ils sont des diables. Ils perturbent le sommeil des gens. Pendant que les gens dorment, ils vont crier, chanter, mettre des baffes, goumeur. Il criait dans les oreilles. C'est le diable qui perturbe l'humanité. C'est le diable qui empêche les gens. C'est le diable qui rend les gens fainéants. C'est le diable qui envoie la faim.
Pensez-vous que s'il n'y avait pas de penseurs, comment faire pour gagner de quoi manger? Et que les gens suivaient les religieux? Mais là, l'être humain allait encore survivre. Qui sauve entre vous et moi? Soyons francs. Entre les pasteurs et les scientifiques, qui est dans l'humanité? C'est qui réellement? Et par qui Dieu passe réellement pour sauver l'être humain? Dites-moi la vérité. Si vous n'êtes pas hypocrite et que vous n'êtes pas corrompu, si vous n'êtes pas des satans, vous allez me dire réellement entre un scientifique et ses pasteurs ou ses imams ou ses papes, qui est réellement auprès du peuple? Qui sauve réellement le peuple? Moi, mon choix, je dirais que ce sont les scientifiques. Ce sont les scientifiques qui se soucient du peuple. Ils ne parlent pas dans les paroles, mais ils font. Ils posent des actes pour, parce qu'ils sont préoccupés de la situation de l'être humain, les scientifiques. Ils ont mis une structure sanitaire partout dans le monde. Pour que, parce qu'ils savent que l'être humain va tomber malade. Et si Dieu ne te supporte, tu ne peux pas avoir ces genres d'idées. Le scientifique, il sait que l'être humain, il va tomber malade. Et quand il tombe malade, il faut le soigner. Mais pour avoir ces idées, ça ne vient pas de... C'est Dieu qui leur donne ces idées. Mais est-ce que vos pasteurs pensent à ça? Ils sont là, ils cherchent leur argent. Mais on va arriver sur le phénomène d'argent. Donc, les scientifiques, ils se préoccupent de l'être humain. Ils ont mis des structures sanitaires. Les scientifiques ont pensé encore, ils se sont dit, ah, l'être humain doit communiquer à sa famille. Parce que s'il est au bout de ce monde, et que son frère est là-bas, ou bien sa famille est là-bas, comment il doit communiquer? Il faut mettre des choses pour pouvoir le rapprocher de sa famille. Il faut être en contact avec sa famille. Il ne faut pas abandonner ton père et ta mère. Il faut respecter ton père et ta mère. Il faut fonder une seule famille. Même étant loin, tu seras toujours avec ta famille à l'aide des appels téléphoniques. Ce sont les scientifiques qui ont mis ça en place. Le scientifique a compris, et les scientifiques ont compris, que l'être humain allait se déplacer parce qu'ils ont tout prévu. Il y a des catastrophes naturelles, c'est Dieu même qui a mis ça en place. La mer peut se fâcher, ça fait des dégâts collatéraux, et l'être humain peut perdre sa vie. Il y a des éruptions volcaniques là où l'être humain est logé, mais comment faire si l'endroit est dangereux? L'être humain doit se déplacer, et pour se déplacer, il faut faire comment? Voilà encore les pensées des scientifiques. Dieu donne encore des pensées aux scientifiques pour pouvoir créer les bateaux, les voitures, les avions, les motos et les vélos. Pour pouvoir permettre à l'être humain de se déplacer d'un point A à un point B. Et vous allez dire, c'est pas Dieu qui les utilise. Vous allez dire, ils sont démons. Je vois que vous qui accusez toujours, c'est vous qui êtes les vrais démons. Vous qui êtes les vrais démons. Parce que lui qui passe son temps à accuser, c'est que c'est lui le vrai démon, c'est lui le mauvais, et non l'autre. L'autre, il ne t'accuse pas. Lui, il pose des actes pour sauver l'être humain. Toi, tu poses quel acte? Mais tu es là, pillé seulement. Revenons sur le système monétaire. L'argent dont les pasteurs, à cause de ça, ils font. Ils volent le nom de Dieu pour se procurer le nom de Dieu. Sachant bel et bien que Dieu ne passe pas par eux. Dieu passe par les scientifiques. Dieu passe par les savants. Mais eux, ils s'auto-proclament les hommes de Dieu. Et à cause des biens matériels, donner les quêtes, la dîme, est-ce que tu as donné beaucoup à Dieu? Mais on donne beaucoup à Dieu, comment? La dîme. Qui a fabriqué l'argent? Et quand vous parlez de dîme, la quête, dîme, on peut donner n'importe quel cadeau. Vous dites habit, habit. Mais habit, qui a fabriqué encore habit? Il faut les scientifiques. Donc, c'est que l'église même utilise. Ils n'ont qu'à dire, c'est-à-dire les fidèles pasteurs, papes, ils n'ont qu'à dire merci aux scientifiques auxquels Dieu a donné l'intelligence et l'expérience et le savoir, la connaissance de pouvoir mettre tout cela en place. Et le diable prend ça et il se procure de ça pour dire c'est moi. Toi, tu n'as rien fait. L'église, c'est le diable même, c'est le dépotoir du diable. Les chrétiens sont des démons, les musulmans sont des démons. Il faudrait que ça reste dans vos oreilles, dans vos têtes, une fois pour tous, pour tout. Une fois pour toutes. C'est-à-dire, eux, ils ne foutent rien, ils font rien. Tout ce que les autres font, que Dieu leur donne, Dieu donne aux autres le savoir, la connaissance, la créativité, hein, la vision, les chrétiens prennent ça. Et puis, ils s'auto-proclament comme si c'était eux. Dieu est merveilleux, Jésus est merveilleux, mais Jésus ne t'a rien donné. Dieu ne t'a rien donné, Dieu ne te connaît pas. Tu es un démon, tu es quitté en enfer, il faut te retourner là-bas.
Est-ce que c'est toi qui as créé? Tu t'auto-proclames. Dieu merci. Le vin même que vous utilisez, ça c'est le sang de Jésus. Le truc que vous utilisez, ça c'est le corps de Jésus. Vous savez qui a fabriqué? Ce sont les scientifiques. Ce sont des chercheurs qui ont mis ça en place. Ce n'est pas les papes. Ce n'est pas les pasteurs. Ce ne sont pas les prêtres. Ce sont des scientifiques qui ont mis ça en place. Le vin, vous savez comment on fabrique le vin? Le sang de Jésus, vous buvez, vous êtes heureux. Vous savez qui a fabriqué, mais ce sont encore les scientifiques. Et vous allez finir de boire ce qu'eux, ils ont créé. Et vous allez les accuser pour dire, ils sont des démons. Qu'ils vont aller en enfer, mais c'est vous qui allez partir en enfer. Tu ne peux pas accuser l'autre. Et ce qu'ils fabriquent, tu ne peux pas t'auto-proclamer pour dire, c'est toi qui as fabriqué. Ce n'est pas toi, mon frère. Tu es un menteur, un vrai délinquant, un démagogue. Et c'est toi qui dois aller en enfer. Parce que tu ne fous rien. Tu es un rien, tu es un incognito. Tu ne fous rien. Ta présence dans la société est égale à ton absence. Parce que tu ne peux rien apporter à l'humanité. Votre pain, vin que vous prenez au sein des églises catholiques, remerciez les scientifiques, les protestants, les imams. Et les musulmans remercient aussi les scientifiques. Parce que les mosquées, pour construire, il faut des architectes. On envoie des architectes. C'est eux qui regardent. Et ce sont eux qui donnent les plans. Ce n'est pas l'imam qui donne le plan. Même si l'imam donne le plan, il a été scientifique avant d'être imam. Il a étudié les sciences. Et c'est par ses connaissances scientifiques qu'il va amener le plan. Et non par ses connaissances religieuses. Il faudrait que vous faites la différence entre religion et science. Quiconque a une connaissance et une invention est un scientifique. Voilà comment on définit les sciences. Un scientifique, c'est quelqu'un qui a une vision. Et cette vision, il la met en pratique pour inventer quelque chose et créer quelque chose pour mettre ça à la disposition de tout le monde. Un scientifique, c'est pas quelqu'un. C'est pas qui Dieu passe pour sauver l'être humain. À travers ses actions sur la terre. Car Dieu lui-même, il ne peut pas venir sur la terre pour dire voici, donner tout à l'être humain. Il passe par l'être humain pour créer des choses surprenantes, extraordinaires, pour rendre le monde beau. Et ces gens-là, les scientifiques sont les prophètes des êtres humains. C'est eux qui sont les vrais prophètes. Et non ces voyous qui s'autoprogramment prophètes. Ils n'ont jamais été prophètes. Voyez dans la Bible, dans le Coran, qui a créé quoi? Quel prophète et quel homme de Dieu qui a créé quoi? Ils ont inventé quoi? Ça n'existe nulle part. Ils vont vous parler de la foi. Il faut avoir la foi. Ce n'est pas avec la foi qu'on progresse dans le monde. Ce n'est pas avec la foi qu'on peut bâtir le monde. C'est avec la connaissance, la confiance. Avoir confiance, c'est avoir... Si tu as confiance en toi, c'est que tu as confiance en Dieu. Et avoir confiance en toi, c'est avoir la foi. C'est ça. La foi, c'est quoi? C'est de te faire confiance. Sois sûr de ce que tu fais. C'est quand tu es sûr de ce que tu fais, tu as foi en toi. Et dès lors que tu es sûr de ce que tu fais, c'est que tu as confiance en Dieu. Et avoir confiance en Dieu, tu as la foi en Dieu. Voilà. Parce que l'Esprit de Dieu même est en toi. Tu as un esprit raison pour laquelle tu raisonnes, tu réfléchis. Donc, tu es doté d'un esprit. Et quand tu te fais confiance en toi-même, c'est que tu fais confiance. Tu as déjà la foi et tu fais confiance en Dieu. Voilà. La Bible ne vous décrit pas cela. Et il vous rend feignant. On ne t'a pas dit avoir la foi, il faut être feignant. Il faut rester là, crier dans les micros. Non. Quand tu travailles... En toutes choses, où tu vas t'orienter, il faut avoir confiance en toi. Il faut te dire déterminé. En un mot, c'est la détermination, c'est la motivation. C'est ça la foi. Ils ne t'ont pas dit qu'il faut rester à la maison, prier, et puis tu attends. Non. Il faut des actions. Action, réaction. Quand tu mets des actions, il y aura des réactions. Et les réactions, ce sont les actes que tes actions vont poser, causer. Voilà ça. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, ceux qui ne comprennent pas, qui suivent les passeurs moribonds, je vous interpelle. Cette vidéo, je vais tout faire. Il aura beaucoup de vues. C'est une nouvelle page que j'ai ouverte. Je ne fais pas ça sur mon Facebook habituel. Abonnez-vous. Ceux qui vont voir la vidéo, ils n'ont qu'à s'abonner. Donc, je peux dire le seul canal sur cette terre par lequel Dieu opère, c'est le canal des sciences et non des pasteurs.
S'il y a des églises, les mosquées, remerciez les architectes qui sont des philosophes, qui sont des mathématiciens. Si aujourd'hui la Bible existe, remerciez aussi les philosophes. Si le Coran existe, remerciez les philosophes. Parce que si on ne transformait pas le bois, mais on n'allait pas avoir les papiers sur lesquels ils ont mis les écritures de la Bible et du Coran. S'il n'y avait pas de machine, s'il n'y avait pas l'invention de l'écriture par les scientifiques, l'être humain n'allait pas savoir lire et écrire. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont écrit, on disait qu'ils prenaient les encres pour écrire, mais ce sont encore les scientifiques. Ceux qui écrivaient sur les trucs, mais c'était les scientifiques. Encre pour prendre, il faut réfléchir pour créer encre. Et les plumes des trucs, il faut réfléchir pour faire, ce sont les scientifiques, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui avaient réfléchi à la place des scientifiques. Dieu a toujours utilisé. Regardez même l'Égypte ancienne. Les gens, ils ne connaissaient même pas votre Jésus, ils ne connaissaient même pas votre truc Allah. Les Arabes et les Occidentaux n'avaient pas encore envahi l'Afrique. Mais ils étaient cultivés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des scientifiques. Et là où se trouve un scientifique, Dieu est là. Là où se trouve un scientifique, Dieu est là. Et là où se trouve un scientifique, l'endroit n'a jamais eu la pauvreté. Il y a toujours la richesse, tant que le scientifique existe. Donc, le scientifique est égal à la représentation directe de Dieu. C'est-à-dire, là où il y a un scientifique, il y a Dieu. L'Afrique meurt. Parce qu'en Afrique, il manque de scientifiques. Donc, Dieu a quitté l'Afrique. Le jour où il aura des scientifiques en Afrique, alors Dieu reviendra en Afrique et il aidera les Africains à par le canal de ces scientifiques. Mais tant qu'il n'y a pas de scientifiques et qu'il y a des prophètes, des pasteurs, des imams, des prêtres, des sœurs, l'Afrique souffrira tant que les Noirs ne comprendront jamais que la présence de Dieu est égale à la présence des scientifiques. Voilà. L'Europe réussit à se maintenir, à se stabiliser, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la crise monétaire internationale, les Européens se relèvent toujours. Les Américains se relèvent toujours parce qu'ils ont dans leur pays des scientifiques. Et Dieu est toujours avec eux. Quand certains Européens disent Dieu a déjà quitté l'Afrique, vous pensez que quoi? Dieu a quitté l'Afrique parce qu'en Afrique, il n'y a plus de scientifiques. Dieu était en Afrique lorsque les Africains possédaient les scientifiques. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus en Afrique parce que les scientifiques ont disparu en Afrique. Voilà le message qu'il vous envoie. Mais vous refusez et vous ne travaillez pas vos cerveaux. Et malheureusement, beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Malheureusement, beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Et c'est déplorable. Dieu a quitté l'Afrique parce que les scientifiques ont disparu sur le territoire africain. Voilà, c'est clair et net. Donc, quiconque veut me contredire, qu'il me dise, je mens. Voilà, un grand scientifique qui a fait cela. Donc, je vous remercie infiniment. Vive la science et vive l'existence de Dieu à travers les scientifiques. Et non à travers ces bandits qui se disent chrétiens et musulmans. Ils sont tous des corbeaux et des malfrats, des arnaqueurs. L'argent qu'eux-mêmes ils utilisent dans les églises et dans les mosquées, ils n'ont qu'à demander qui a créé l'argent. Qui a eu l'idée d'inventer l'argent? Car sans l'argent, l'être humain ne peut pas vivre. Et les scientifiques font tout pour que l'être humain puisse vivre. Parce que quand tu vis, tu dois manger. Et pour manger, il faut acheter la nourriture. Quand tu n'as pas de champ, mais il y a autre moyen, l'argent. Quand tu as l'argent, tu peux acheter. Et ceux qui ont le champ, ils peuvent te vendre la nourriture. Ils ont créé l'argent. Mais c'est à cause de cet argent, les religieux se tuent. Or pourtant, ils disent non, c'est eux. Pourquoi ils ne fabriquent pas l'argent? Et c'est les scientifiques qui fabriquent. Ce sont les scientifiques qui mettent tout en place. Et puis eux, ils profitent. Et après, ils vont venir dénigrer, ils vont venir accuser. C'est ça que je dis, ils sont des vrais bandits. Ils sont des vrais bandits. C'est-à-dire, le terroriste, il frappe. Et il va dire, c'est pas lui, mais c'est l'autre. Un voleur qui vole, et il va mettre affaire sur toi. Toi qui es innocent, il va dire non, c'est toi. C'est ça le comportement de ces religieux bandits. Sauvages qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils se comportent. Donc, ciao, je vous aime. Vive l'éveil des consciences des Africains.